stage de biogéochimie marine Roscoff 2021, encadré par Nariman Doré, avec les étudiants de l'ENS. Bonjour, je m'appelle Nariman Doré, je suis post-doctorante à l'ENS, au département de géosciences. Je fais un post-doc dans l'équipe de Laurent Bopp, donc je suis au laboratoire de météorologie dynamique. Et donc, quel est ton sujet de recherche actuellement ? Donc actuellement, c'est le sujet sur lequel vous faites un stage de terrain, vous êtes venu m'aider. Et l'idée, c'est donc de regarder la variation des paramètres physico-chimiques dans les cuvettes intertidales. Donc c'est des cuvettes qui se forment quand la marée s'en va. Et donc ces cuvettes, elles sont un petit peu comme des mini, des mésocosmes, c'est-à-dire des aquariums compliqués qui représentent un petit peu le milieu côtier. Et donc du coup, on se demande comment le système des carbonates varie dans ces cuvettes. Donc ils vont être des milieux extrêmes puisqu'on va avoir des températures et des salinités qu'on ne trouve pas exactement dans le milieu côtier. Et donc en quoi ce sujet s'intègre dans le projet du laboratoire de météorologie dynamique ? Donc en fait, nous on étudie principalement l'interface en gros air-océan. Alors il y a des questions sur les modélisations. On modélise plutôt mal la variation du système des carbonates et du carbone en milieu côtier. Parce que les modèles sont très peu résolus là-dessus et parce qu'on a très peu de données sur les variations de ce milieu. Donc une partie du projet va s'intéresser à ça, à résoudre les processus qui se passent sur le milieu côtier. Et donc comment est-ce que ça varie, pourquoi est-ce que ça varie et à quel type de variation diurne on peut s'attendre, donc sur la journée, de combien ça varie. Et bien sûr, le fait de faire dans des petites mares dans lesquelles on peut compter les choses, ça nous permet de comprendre mieux les processus qui font cette variabilité. Et donc une fois qu'on aura fait ça, on pourra les intégrer cette variabilité et ces processus dans les modèles climatiques et prévoir plus précisément sur le futur qu'est-ce qui va se passer sur le bord de la côte. Et on a un deuxième aspect dans ce qu'on fait, c'est on manipule les cuvettes aussi en rajoutant du CO2 pour avoir le pH qui est prévu à la fin du siècle pour pouvoir savoir comment ce pH va jouer sur la calcification de toutes ces communautés qui vivent dans les cuvettes. Comment ton postdoc et le stage sont financés ? Bah alors du coup, le stage, il va me servir pour mes recherches, donc il fait partie intégrante de mon projet. On l'a construit un peu comme ça, en plus d'être en enseignement. Et tout ça, c'est donc payé par le projet par lequel je suis payée, qui est un projet Chanel. Donc c'est payé par... c'est une donation de Chanel sur quelques années pour plusieurs chercheurs qui travaillent sur le cycle du carbone. Et donc, comment faire comprendre mieux le cycle du carbone. Donc, tout d'abord, où était le terrain ? Nous étions à la station marine biologique de Roscoff, donc en partenariat avec le CNRS, sur un site de cuvettes qui sont émergées à marée basse, à partir de 6 mètres. Donc là, vous voyez, à marée basse. Donc, il y a 5 cuvettes, la cuvette A, la cuvette B, la cuvette C, la cuvette D et la cuvette E qui présentent des caractéristiques toutes un petit peu différentes. Donc maintenant, on va présenter le matériel utilisé lors du stage sur le terrain. Donc on utilisait des brocs en plastique pour récupérer l'eau des cuvettes, des flacons dans lesquels on a l'eau filtrée, qui sont également numérotés pour pouvoir les retrouver. On a des pipettes qui permettent de prendre l'eau dans les brocs et des filtres, des porte-filtres avec à l'intérieur des membranes qui sont dans une petite boîte en carton. Et donc on stocke les flacons dans une glacière pour stopper l'activité biologique. Présentation des instruments. On a d'abord les sondes qu'on a utilisées sur le terrain. Donc on avait 4 types de sondes.
La première, une sonde à oxygène. Ensuite, une sonde à pH, protégée par une solution de KCl parce qu'elle supporte mal de rester à l'air libre. Et enfin, une sonde à NH4+, qui est un type de nutriment qu'on retrouve dans nos cuvettes. Et en dernier, une sonde à salinité, qui est un peu plus robuste que les autres. Et on a deux solutions tampons pour étalonner le pH-mètre. Toujours dans la présentation des instruments, les multimètres. Nous avions deux multimètres sur le terrain, avec une touche lecture et une touche pour allumer. Elle possédait deux prises. Donc, par exemple, on peut y brancher la sonde de salinité en vissant tout simplement sur l'extrémité. Dans la partie présentation des instruments, le capteur de lumière. Le capteur de lumière se présente sous la forme de cette boîte où l'on peut lire les informations sur la quantité de lumière reçue grâce à ce petit capteur cylindrique. Il se pose à plat sur un rocher, toujours le même, de manière à avoir la même mesure. Et l'on le branche, comme pour les sondes. On l'allume, et sur l'écran, nous pouvons voir les valeurs qui s'affichent. Les valeurs sont enregistrées. On peut faire un test, si cela fonctionne, en couvrant avec la main le capteur, et effectivement, la valeur diminue considérablement. Nous allons maintenant vous présenter les manipulations effectuées sur le terrain pour relever les données. Dans un premier temps, l'acidification des cuvettes. Elle se fait à partir d'un SodaStream dont on remplit la bouteille à partir d'eau de mer. On enclenche la bouteille et l'on injecte le gaz carbonique. On injecte ensuite un volume défini d'eau acidifiée dans certaines cuvettes de manière à garder des cuvettes témoins. Mesure des paramètres physico-chimiques de température, pH, O2, NH4+, et salinité. Donc tous les quarts d'heure, on prend une mesure dans chacune des 5 cuvettes, et donc on passe de l'une à l'autre, et à chaque fois, on place les 4 sondes au fond de la cuvette, et on les laisse immobiles au cours de la mesure. On prend le bro pour homogénéiser entre la surface et la profondeur de la cuvette, en faisant attention à ne pas trop dégazer. Et on appuie sur read pour lire la mesure. On attend que ça se stabilise avant de faire le relevé à l'oral. Toujours dans la présentation des manipulations, la préparation des filtres pour le filtrage. Tout d'abord, on dévisse le porte-filtre, on le rince à l'eau distillée en début de journée de mesure, puis on pose le filtre bien au centre et on revisse. On peut enclencher le filtre sur la pipette. Un filtre propre, un filtre avec de la chlorophylle et un filtre cassé. Présentation des manipulations toujours, la préparation d'échantillons d'alcalinité qui seront étudiés en laboratoire plus tard. Donc toutes les heures, en parallèle de nos mesures de paramètres, on prélève dans chacune des 5 cuvettes de l'eau pour préparer nos flacons d'alcalinité. Donc la première étape, c'est avec la pipette et le porte-filtre de filtrer de l'eau des cuvettes dans les flacons et on rince 3 fois le flacon. Une fois les éléments et le flacon rincés, on prélève avec la pipette l'eau de la cuvette dont on a retenu la provenance et on remplit le flacon jusqu'en haut. À noter que les flacons sont numérotés afin de se rappeler de quelle cuvette ils proviennent et on note la correspondance sur notre feuille de travail. Et ensuite, on place le flacon dans la glacière afin de le garder au froid pour le reste de la journée.
On reverse ensuite l'eau restante dans la cuvette correspondante afin de ne pas modifier le volume des cuvettes. Présentation des manipulations, l'estimation de la biodiversité des cuvettes impactant la calcification. Nous comptons les espèces présentes dans les cuvettes. Les algues vertes, les éponges en croûtante, mais aussi les algues brunes et les anémones. Nous comptons en particulier certaines espèces, les gibules, les monodontes, les patelles, les corallines et les algues en croûtante rouges devenant blanches mortes. Afin de mesurer la calcification dans les cuvettes, nous nécessitons une estimation du volume des cuves. Pour cela, nous procédons à différentes méthodes. Dans un premier temps, la méthode par dilution selon la méthode du titrage. Nous prélevons 500 ml d'eau douce que nous injectons dans les cuves, cela trouble l'eau. Puis nous homogénéisons la cuvette. Enfin, nous mesurons de nouveau la salinité. Deuxième méthode de détermination du volume des cuvettes, la méthode par assèchement. On retire toute l'eau des cuvettes afin de mesurer le volume retiré. Présentation des manipulations en laboratoire, l'ajout du mercure. Voici tous les échantillons d'alcalinité récoltés sur le terrain. Nous y ajoutons dans chacun une goutte de mercure afin de stopper l'activité biologique le temps de pouvoir revenir au laboratoire de Roscoff pour analyser l'alcalinité. Ensuite, les flacons seront stockés au frais. Présentation de l'analyse des données. Une fois les données récoltées sur le terrain, nous rentrons toutes les données sur un tableur Excel afin de pouvoir ensuite les interpréter via des programmes Python. Cuvette A, 13h31, 8,42, moins octante 2, 17,7.